Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et non, vous ne rêvez pas, c'est bien moi. Et non, les cheveux ne m'ont pas poussé pendant la nuit. Ben non, c'est une petite perruque que j'ai mis. Donc vous allez voir plusieurs vidéos comme ça avec des petites perruques parce que j'aime ça. Puis je vais faire des petits looks. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un petit look avec cette petite perruque-là. Et puis, je vais vous faire des photos aussi sur Instagram, donc Facebook aussi. Donc voilà, je suis prête à commencer ce petit vidéo. Et voilà, voilà tout le monde, on va faire le teint pour débuter. Ben, je vais faire le teint pour débuter. Donc, j'ai juste placé cette petite couette. J'ai comme toujours une petite couette là, qui me fatigue. Donc, je vais mettre les cheveux par derrière. Et puis, je vais venir hydrater ma peau parce que tu sais que c'est hyper important de bien hydrater sa peau. Et je vais prendre mon petit pinceau. Et voilà. Et ensuite, je vais faire mon teint aujourd'hui avec un produit quand même assez léger. J'ai pas envie d'avoir le teint trop couvrant. Je vais faire quand même un teint assez correct. Et puis, je vais prendre pour ça un petit peu de primer. Toujours de la marque Hard Candy. Et puis, je vais venir appliquer cette petite chose sur mon visage. Surtout dans ma zone T. Et ensuite, j'étire. Donc, c'est des petites vidéos que j'ai vraiment le goût de faire, ça. Je vais m'acheter différentes perruques et je vais vous présenter des petits looks. Ça va faire un peu changement. Je trouve ça le fun. Et puis, je vais utiliser mon Prep and Primer de Absolute New York. Oh, j'en ai mis trop, mais c'est pas grave. On va avoir un beau teint aujourd'hui. Ça va être magnifique. Et ensuite, je vais venir prendre... mon fond de teint et je vais utiliser mon Donna Michel. Ben oui, pourquoi pas, c'est un bon produit. Donc lui aussi, j'en mets quand même assez pas mal parce que c'est un fond de teint qui est très bien et qui est quand même pas si couvrant que ça. Là, ben. Et puis, ben les amis, j'estompe tout ça. On va juste tasser un petit peu les cheveux. Et ça va déjà faire un beau petit teint bonne mine. Je vais être pure aujourd'hui. Et puis, je vais prendre plein de belles photos que je t'invite à aller voir sur Instagram ou sur mon Facebook si tu es abonné. Puis si tu n'es pas abonné, tu veux plus d'informations sur mes autres réseaux sociaux, ben écris-moi là, dans les commentaires. Ou sinon, ben c'est pas mal indiqué sur la chaîne. Regarde ce que ça fait. Ça fait vraiment un très beau teint. Je vais juste le descendre un petit peu ici. Et avec mon éponge, je vais juste estomper un peu. J'aime ça. Comme ceci. Et voilà. Et je vais juste venir faire délicatement mes cernes. Mais pas trop. Et je vais utiliser... je vais acheter mon produit. J'ai d'autres choses à utiliser. Pour les cernes, je vais utiliser un glamouflage de Hard Candy. Donc, c'est un fond de teint, mais que j'aime beaucoup utiliser aussi comme concealer. Parce que ça marche plutôt bien. Et je vais en déposer juste un petit peu ici. Un petit peu ici, là, vraiment au niveau comme plus de la cerne. Et je pense que je vais laisser ça drette comme ça pour débuter. Et ensuite, avec mon éponge, je le fais. Ouais, je vais le faire à l'éponge. Je vais venir bien, bien, bien estomper. Et voilà. Je fais la même chose ici. Oh, j'aime ça! C'est un très bon concealer. En fond de teint, je l'aime pas trop, mais en concealer, c'est trop, trop, trop bien. Et voilà, girls. C'est aussi simple que ça. J'aime trop. Ouais, j'aime vraiment trop, trop, trop. Beaucoup, même. Un peu trop. Ensuite, je vais venir poudrer le teint. Et je vais venir utiliser la poudre. Je vais venir utiliser une autre poudre. Hein. Ça me tente d'utiliser celle-là aujourd'hui. Airspun, ça fait longtemps. Je ne l'ai pas utilisée. Ça tombe partout. Ça fait du dégât, les filles. Je vais juste zoomer juste un peu plus sur ma face. Oh là là là. Ça fait vraiment beaucoup de dégâts. Je vais venir prélever. Moi, j'en enlève le plus que je peux. Et ensuite, ben, je mets le tout sur mon visage.
C'est une très bonne poudre, ça. Je l'achetais quand j'habitais aux États-Unis. J'aimais ça parce que je l'achetais au Walmart américain, au Canada. Mais tu peux pas l'acheter au Walmart. Je trouve ça un peu chiant. Faut la commander. Qu'est-ce que tu veux? Et puis, je te fais un zoom sur les yeux. Et aujourd'hui, je fais le look avec ça. C'est une petite palette que j'avais achetée de la marque Cara Duo Beauty, la Beach Bum. Je vais utiliser ces couleurs-là. Je vais utiliser plus comme les verts. Donc, je vais y aller avec ça. Je vais commencer par... Je vais commencer par mettre cette couleur qui est là. C'est très pigmenté. Très, très bien. Je vais venir la mettre en coin externe. Sur mon externe de mon œil. La couleur est très belle. Je stompe. Je stompe. En plus, ce sont des fards qui s'estompent très bien. Et quand elles stompent, ben, ça s'efface pas tout. Ça, c'est cool. C'est ça qu'on veut. Et t'as pas besoin de payer cher pour avoir ça. Parce qu'il y a des fards vraiment qui offrent vraiment tout ça. Je trouve ça vraiment le fun. Et ensuite, je vais prendre un autre pinceau. Et je vais venir estomper. Un tout petit peu avec la orange. Mais juste un tout petit peu. J'en mets juste un tout petit peu. C'est juste pour estomper. Et voilà. Exactement. La couleur, elle est trop belle. Je fais la même chose de l'autre côté. Surprenant comme fort, vraiment. Donc, voilà. Et ensuite, je vais venir prendre le vert ici. Le vert qui est comme le plus turquoise. Toujours avec le même pinceau, c'est très pigmenté. Ça ressemble beaucoup à la couleur de mes cheveux. Je vais y aller en coin. Oups. Un peu externe ici, tout doucement. Je balaye un peu. Pour donner une forme comme un peu irrégulière. Je fais la même chose au côté. Et je la mets pas tout à la fin. Je vais garder la pigmentation et je le mets pas non plus dans le milieu de l'œil. Je vais mettre autre chose. Faut vraiment... Et je stompe. Faut faire comme un petit nuage. Et ensuite, je manque un petit peu de brun parce que j'ai un petit peu trop... Je vais venir juste un petit peu estomper sur le dessus. Et voilà. Je vais faire le rotule et je le fais avec le vert. Au début, j'utilise absolument rien sur mon pinceau, comme d'habitude. Ensuite, je vais pouvoir venir mettre le petit brun. C'est trop, trop beau. Et ensuite, j'aimerais ça que ce soit un petit peu plus pigmenté. Donc, je vais en rajouter un peu. Je vais rajouter un peu de vert. J'aimerais bien que mon coin externe soit plus intense. Et voilà. J'adore! Et ensuite, j'aimerais utiliser les deux verres satinés lumineux. Très pigmentés, très waouh waouh waouh. Je vais mettre ça. Et je vais prendre un pinceau. Je vais prendre un pinceau comme ça. Et je vais commencer par celui-ci. Je vais le mettre sur celui-là, déposé tout doucement. Regarde comme c'est beau. C'est une pigmentation délicieuse.
C'est vraiment très beau. Et juste à côté, je vais utiliser l'autre, qui est plus vert lime. Lui, je vais le mettre en coin interne. Il est magnifique. Magnifique. Il est magnifique. Regarde. Et voilà. C'est vraiment super beau. J'adore vraiment. Très, très beau. Et ensuite, je vais prendre mon pinceau. Je vais juste ici, là, on va juste venir flouter dans les couleurs où il n'y a pas de brillant, juste comme pour estomper. Et voilà. Je vais acheter des crayons pour le ras de cils. Et on continue ce joli make-up. Pour la muqueuse, Milani. C'est une gamme de collection que j'ai comme ça, qui sont super, sont légèrement... Je vais prendre... mon miroir. Puis en plus, ça tient bien habituellement dans une muqueuse. Donc, je mets un peu de ça dans ma muqueuse du haut. Et je vais en mettre aussi dans ma muqueuse de mon œil en bas. Et en plus, ça tient trop bien ce produit-là en muqueuse. Vraiment super bien. Et ensuite, dans le coin interne, on va utiliser du jaune, puis le jaune de la palette. Il est mat par contre, mais il est, je crois qu'il est lumineux, je me souviens pas trop. Ouais, il est très très beau. C'est très beau. C'est une très bonne idée, j'ai eu. C'est très joli. Et ensuite, ben, j'estompe tout ça ici. Et j'ai pas de fard pâle. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste estomper avec un pinceau propre. J'estompe pour que tout soit propre. Et on va mettre une bonne couche de mascara. Et dans le cas du haut, je pense que je vais remettre du brun parce que je trouve que mon vert n'est pas assez. La même marque, mais celui-là, il est plus bronze. Donc ça, ça devrait être bien. Ah oui, puis il marque... très bien manqueuse. Ouais, c'est une très bonne dessin. J'aime bien ce crayon. Et ensuite, ben, on met un mascara. Hein? On met du mascara. Du mascara. On met-tu lui? Ou on met du Paris? Je pense que je vais mettre lui. Je mets une bonne couche de mon mascara préféré. Le mascara de tous les temps. Magnifique, magnifique, magnifique. J'aime trop ce mascara de malade. En tout cas, ce mascara-là, pour le prix, c'est magique. J'adore. J'adore Essence. Il fait des beaux cils de poupée. Puis aujourd'hui, j'ai pas envie de mettre de faux cils. Et je trouve qu'il me fait des cils de malade. Et voilà les cils du bas. Je vais en mettre une bonne couche. Oh, j'adore le maquillage. C'est trop beau. C'est trop, trop beau. Je vais dézoomer un peu. On va continuer le teint. Qu'est-ce que t'en penses? Donc, attends, on va résumer just a little bit. Bon, ensuite, on continue le teint. On se lance dans des folies. Dans les grosses folies aujourd'hui. Et puis, bon, on va venir un petit peu contourer mon... On va faire un petit contouring. Et je vais utiliser ma palette de Mary Pose. Et regarde, il y a un côté, les couleurs se ressemblent toutes. Moi, j'ai... Et voilà. Je me casse pas la tête avec ça, tu comprends? Et je vais venir faire mon petit creux de joue. Donc, on y va dans le creux. Sinon, tu mets ton doigt si t'es pas sûr. Et ensuite, ben, t'estompe. Et voilà. Moi, j'essaie de le mettre un peu en... tu sais, en triangle. En pointe. Je trouve que ça... ça fait une petite différence à la joue.
ensuite, je fais la même chose. Je fais comme un petit diagonale un peu. Tu vois? Je contourne le nez. J'estompe. Et voilà. C'est trop beau. C'est vraiment très beau. Et ensuite, je prends mon petit pinceau highlight et je vais prendre le highlight ici de la palette. Toujours de Mariposa. Je vais juste venir mettre ça comme ça. Ils sont très beaux, ces highlights-là. C'est très poudreux, mais c'est très beau. Ici. Et ensuite, je prends ma palette, je prends le vert ici qui est plus pâle. Pas plus pâle, mais qui est comme un peu différent. Je vais mixer lui et oups, lui. Donc, je fais un petit mix. Je mets comme highlight pour faire un petit rappel avec les yeux. Et je trouve ça magnifique. C'est magnifique. Franchement, magnifique. Un petit peu de blush, ça sera pas pire. Je pourrais mettre avec ça un petit blush un peu orangé. Habituellement, le orange avec le vert, c'est trop beau. C'est ça que je vais faire. Et comme pinceau, je vais prendre ce pinceau-là. Et je vais légèrement mettre le blush. Et je mets un petit peu ici, là, ça fasse coquino. On aime ça quand c'est coquino. Et voilà. C'est trop bien. C'est vraiment mignon, mignon. Comme tout. Donc, je vais venir faire mes sourcils. Puis je reviens avec le rouge à lèvres. Et sur les lèvres, les filles, un rouge à lèvres d'essence. J'adore trop. Je voulais pas de quoi de trop nude. Mais je voulais pas non plus, les pas encore tout à fait sèche, mais je voulais pas non plus quelque chose de trop coloré. Donc, je trouvais que le nude, vieux nude rosé pouvait bien aller. Je vais juste nettoyer. Pursing. Ah, oh, j'aime vraiment trop ça. Donc, je te montre le look. Les yeux. La teinte. La bouche. Les yeux sont beaux, hein? Le maquillage est très beau. Puis ensuite, ben, avec la perruque, je te montre un ensemble. C'est très beau, j'aime beaucoup. Donc, voilà, je te fais des belles photos sur Instagram, Facebook. Et on se revoit très bientôt dans un prochain vidéo.